fatiguée. Elle dort encore. Elle n'a pas été très bien cette nuit. Qu'est-ce qu'elle a eu? Je sais pas, ce matin, elle n'a pas voulu prendre son déjeuner. Puis elle s'est rendormie tout de suite. Je vais pas la réveiller, mais elle a de la fièvre. Oh non, 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 non. C'est pas ça. Alors c'est quoi? Autant que je vous le dise tout de suite. Elle a peur. Peur? Pourquoi peur? Peur parce qu'elle croit qu'elle est enceinte. Enceinte? Et elle sait pas comment vous le prendrez. Fâché, hein? Mais non, au contraire. Tu es sûr? Voyons, évidemment. Tu dis peut-être ça comme ça sur le moment. Tu sais, si tu aimes mieux, je ne le garderai pas. Mais t'es folle. Mais dis-moi, ça t'est déjà arrivé? Deux fois. Tu aurais même pas à t'en occuper, tu sais. Je te fais déjà tellement de complications. Oui, ben ne parlons plus de ça. Mais tu es sûr, moi? Écoute, oui. Ça fait 10 jours. 11 ce matin. Je te jure, ça peut être que toi. Tu serais vraiment content. Évidemment, je serais content. Dans 2 ou 3 jours, j'irai voir le médecin. On fera un test. Eh oui. Dis, quel effet ça te fait? Explique-moi. Oh, ben, attends, faut que je m'habitue. Ça change, tu sais. En mieux? Bien sûr. C'est drôle, comme ça, tout paraît plus facile. Plus facile? Oui, enfin... plus simple, tout naturel. Je trouve ça très bien. Tu aimerais mieux un garçon ou une fille? Eh ben, si tu veux. Pour qu'elle soit mieux que moi. Allez, ne dis pas de bêtises. Jeannine! Ah, non, non, non. Je vous ai dit de ne pas bouger si vous voulez le garder. Jeannine! Il veut bien. T'as bien fait de lui dire. Si vous l'aviez vu... Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui? Eh ben, tu vois, je m'installe. J'attends la naissance. Ah. Tiens, on dirait qu'il va neiger. Ça te plairait d'en voir de la belle neige, là où il y en a? À la montagne? Oh non, la montagne, ça fait ça, non. Mais non, grosse bête, ça fait sport d'hiver. Oh! Les sports d'hiver! Jeannine, t'as entendu ce qu'il a dit? On va aller au sport d'hiver! Oh, c'est pas possible, dis!